Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Yo, là je suis content, je kiffe cette vidéo, la faire tous les ans. Vous savez que la nouvelle saison elle arrive très très bientôt, Inch'Allah et Yacine. Et c'est vrai, et donc bah là on va aller chercher nos affaires pour la rentrée. Donc Younes, qu'est-ce qu'on a besoin là? On cherche quoi là? On a besoin de tout, maillot de foot, short, on a besoin d'une dignité. Non je rigole, mais en gros maillot de foot, short et tout ce qui est, tout, vous connaissez, crampons. On doit aussi, on est en mission pour trouver aussi un ensemble de l'Algérie à Myriam. Il va falloir qu'on essaye de trouver ça. Je ne sais pas si on va en trouver un là où on va. Mais en tout cas, on a plein de choses. On vous embarque avec nous. Et avant de commencer, vous êtes énormément à regarder nos vidéos sans être abonné. Donc abonnez-vous, c'est très important. Et mettez un like. C'est parti. On commence directement pour la foot familiale. Donc là, c'est pas pour le foot en club, c'est pour les vidéos. On aura besoin de chasubles déjà. Cette couleur, elle est incroyable. La bleue. Ouais, on va prendre des chasubles bleues. Donc il en faut 5. Elle est trop belle. 2, 3, 4. Et 5. Et pour le prix, c'est 3 euros, donc en vrai, 3 fois 5, 15 euros. Voilà, et ensuite, regardez ce qui me demande. Yacine, comment tu fais pour trouver des élastiques? J'en ai trouvé, donc là, on est à Decathlon. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des élastiques comme ça, donc on a un fin, un tout petit et un gros. Mais toi, d'habitude, tu prends Nike, non? Moi, d'habitude, je vais à Nike et j'achète ceux-là, t'as vu. Mais là, ils sont grave usés, c'est-à-dire j'ai été en prendre chez Decathlon, du coup. C'est carré. On va tester ceux-là. Deux brassards de capitaine comme ça. C'est combien? C'est un grec? C'est 5 euros le brassard de capitaine. C'est un grec un brassard. Ouais, franchement c'est un peu cher mais bon il m'en faut donc pour l'instant on est bien. Au niveau des ballons c'est super important sachant que moi j'ai besoin de bons ballons pour bien tirer et tout. J'aime pas tirer avec des ballons trop légères. Par exemple regardez celle-là. Vous allez me dire ouais celle-là elle est incroyable mieux mais en fait c'est la fausse. C'est celle à 35 euros. C'est pas la fausse, c'est la bas de gamme en fait. Elle est trop légère. Moi celle que je kiffe et les meilleures c'est celle de la Ligue 1. C'est grave bizarre, ils ont changé. Maintenant, c'est Ulsport et Kipsta. Ça, c'est le cauchemar des gardiens. Elles sont incroyables. Regardez, venez voir la balle ultime. C'est celle-là. Waouh, celle-là, elle est incroyable. Les enroulés sont téléguidés. Celle-là, tu la gonfles bien. Elles ne volent pas, elles ne s'envolent pas. C'est une des meilleures balles que j'ai testées de ma vie, les Ulsport et les Kipsta. Donc, si vous cherchez, franchement, on dirait pas la marque, mais c'est les meilleures balles. On a acheté des chasubles et on a acheté des choses pour la foot familiale. Maintenant, on change de magasin parce qu'on n'a pas trouvé de maillot de foot à Decathlon, malheureusement. Du coup, Younes, on va où là? On va aller dans le meilleur magasin qui coûte cher, mais il y a tout. C'est Intersport. J'ai acheté ce maillot là-bas, moi personnellement. Et okay. Vous allez voir, il y a des maillots de folie. J'espère qu'il y aura les nouveaux 2023 là. Et d'ailleurs, les élastiques pour les cheveux, finalement, je les ai pas pris parce qu'à Intersport, il y a les Nike comme ça et moi je préfère les Nike comme ça. Du coup, on se retrouve à Intersport. C'est parti. Au niveau des crampons pour la prochaine saison, on a le choix. Franchement, Puma, il s'améliore de ouf. Hein. La paire, elle est grave propre. Rien à dire. On a la fantôme. Ça, c'est pas trop ça, mon délire. Ça, c'est les vitres de Salim. Ouais, c'est pas trop mon délire ça. Et il y a les Mercurial là. Celles-là, elles sont trop belles. Moi, je les ai personnellement. Ça, Younes, écoute, hein, c'est les meilleurs crampons que j'ai eu. Ouais, donc franchement, cette année-là, celles-là sont vraiment pas mal. Il n'y a que cette couleur qui existe. Non, il y a d'autres couleurs carrément. Et après, il y a celle-là. Là. Ça, c'est plus les pour, Adidas. On va dire les défenseurs. Moi, je vois les défenseurs, les arrières droit et gauche qui font que de monter. Ah ouais, j'avoue. Donc en gros, moi, je pense cette année, je vais partir sur une paire de Mercu. Celles-là, elles sont incroyables, je vous les conseille. Ouais, après, il n'y a pas d'autres paires. Il y a les Predator aussi, mais c'est pas trop mon délire. Ouais, moi pour ma part ce sera Mercurial je pense. Je disais que Puma il s'améliore. Wow, Puma ils ont fait quoi? Ils ont fait des crampons fermés. Elle est incroyable, en plus elle est pas très chère. Hein. Tu sais qu'ils ont écouté leur communauté parce que tout le monde à chaque fois ils enlèvent les lacets dans les crampons. Elle est incroyable. Franchement celle-là je peux pas vous la conseiller parce que j'ai pas testé, mais elles ont l'air trop belles. J'ai trouvé le nouvel ensemble de Paris pour l'entraînement, Tema Younes. Le tout dernier là. T'en penses quoi en vrai? Franchement il est pas mal. Hein. Ils ont mis Bordeaux, bleu, franchement il est pas mal. Ouais. Et viens on va voir les nouveaux maillots. Regardez ceux qui veulent voir les prix. Le haut c'est 69 euros, le bas 69 euros aussi le bas. On va suivre Yacine pour voir. Ils ont mis tous les nouveaux maillots. Nouveau maillot de Paris. Ah ça c'est le nouveau. En vrai, tu mets une note de combien à 10? En vrai je mets 4, hein, j'aime pas trop. Ah ouais? C'est trop à l'ancienne en vrai. Moi je le prends, désolé, moi je le prends. Ouais. Quand vous achetez un maillot, ne mettez jamais de nom de joueur. Par exemple là imagine j'aurais mis Messi, il serait périmé. Ah alors ouais, là, je peux le mettre pendant 4 ans, il est propre. Et n'hésitez pas à acheter les maillots de l'année dernière. Regardez celui-là. Moins 40%. Moins 40%. Au lieu de 89, tu vas le péter peut-être à 45, 50. Et franchement, que ce soit Stanou. Regarde, c'est les mêmes en vrai. Regarde. Dites-moi, là, c'est quasiment les mêmes en vrai. De vrai, il n'y a rien qui change. Moi, je préfère celui à gauche. Hein. Celui-là, toi, tu préfères. Ouais, il est incroyable. Celui-là. Donc, moi, ma combine, c'est d'acheter les maillots de l'année dernière, moins 40%. Parce que 95 euros dans un maillot, frère, c'est trop. Juve. Waouh. En vrai. Lui, je le prends aussi. Je le prends aussi. Regardez l'arrière. Je le prends aussi, les gars, la Juve. Ouais, je le prends. Ils ont mis de l'électricité, je sais pas quoi penser. Franchement, je lui mets 7,5 sur 10, je le kiffe, ouais, je le prends aussi. Il est beau en vrai, il est beau. Olympique Lyonnais. Le nouveau. Et franchement, Younes. Ça, c'est un vrai maillot de match. Hey, je suis pas pour Lyon, hein, mais je vous promets que c'est le meilleur des trois maillots qu'on a vu entre Paris. C'est un vrai maillot de match. Il tu est mets trop ça beau. Avec ton short et chaussettes de Lyon, sur le terrain, t'es chaud. Lui aussi, oui, je le prends, Younes. Oh, il y a aussi Monaco. Monaco, jamais il change. Ah, Monaco, par contre, je suis pas fan. Regardez, jamais on dirait les maillots de 1912, Monaco.
En vrai, il est beau. Ils ont pas fait de trucs chelous. Waouh. Par contre, il a trouvé ça, mais on trouve pas les ensembles de Myriam pour l'Algérie. Elle voulait Myriam, elle voulait un ensemble elle de l'Algérie. Elle m'a dit, je veux aucun club Marseille. Mais allez, qu'est-ce que vous avez fait Marseille? En fait, Myriam, on trouve pas les maillots de l'Algérie. Il y a pas ici, je crois. Du coup, on va changer de magasin. On va essayer de lui trouver ça. Vous voyez ces ballons là, 22 euros. La matière lisse comme ça, je vous la conseille pas parce que c'est elle vole de ouf. On va essayer de faire quelques gestes. Oh là. Elle est bien pour les jongles en vrai. Franchement, elle a l'air pas mal. Hein. C'est le mec qui retourne sa veste. Bon, finalement, non, avec c'est... Younes, on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Je suis dégoûté. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait la queue. Il y avait grave des gens. Yacine, il a tout posé. On s'est cassé. Ah, c'était trop. Il y avait une queue, mais incroyable. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander sur internet. Et dès qu'on aura tout reçu, on va se retrouver à la maison. On va ouvrir ça et vous allez voir tout ce qu'on a reçu. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé dans les magasins ce qu'on voulait pour Myriam, son ensemble de l'Algérie et tout. Donc je suis dégoûté, donc on va faire ça sur internet, la famille. Et Myriam, on va son survêtement de l'Algérie, franchement, il est incroyable. Hein. L'année prochaine, je voulais faire du sport, mais je sais pas quoi faire. En vrai, j'hésite entre le foot, le basket. Ah, tu veux faire du foot, elle veut faire du foot l'année prochaine. Ouais, mais sauf que je sais pas, vu que je suis une fille. Est-ce qu'il y a des filles dans les commentaires qui peuvent lui dire si en mode c'est compliqué de faire du foot quand t'es une fille ou pas? Ou en mode elle peut. Ouais, regardez-moi ça, vous allez péter un câble, les gars. Rose. On a donc un maillot rose, je sais pas ce que c'est. Waouh, maillot de l'Algérie. C'est le nouveau maillot de l'Algérie. Maillot de l'Algérie en mode rose, il est incroyable. Derrière, il y a un petit logo. Ouais, derrière, je sais pas ce qu'il y a marqué. Ok, là, on a le deuxième maillot de l'Algérie aussi. Il est celui-là. En vert cette fois-ci. Vert un peu fluo. Incroyable. Il est trop beau. Pareil, il y a l'étoile 90 et 19. Ouais, donc on a. C'est le meilleur. Le maillot d'Algérie-Palestine. Algérie en featuring avec la Palestine. Regardez. Il est trop stylé. T'en découvras, ok. On a des équipements spéciaux Familia FC, ils sont incroyables, regardez. Finesse. Short Nike blanc avec le logo Familia, c'est la base. Et il y a même le maillot. Oh, il est trop stylé, regardez la famille avec Football Émotion. Franchement, on s'est régalé max. Nike, Football Émotion, Familia, c'est la base. En plus, c'est mon maillot, numéro 10. Oh, tu sais pourquoi ou pas tout de suite? Bah, ils le sauront sûrement, mais en tout cas, tous les équipements, ils sont arrivés là. Avec le short. Oh là là, c'est de la bombe. En gros, il y a vert, jaune, blanc. Vous me dites ce que vous en pensez. Tac, nouveau maillot de Paris de cette année. Gris. Regardez-moi ça. Il a bien mis Yacine pour que ce soit lui qui le mette. Hein. Yacine derrière, regardez devant. Oh, là, oh, c'est le maillot d'avant de Ronaldo. Cristiano Ronaldo Prime, quand il avait 20 ans, il faisait que de dribbler. À l'ancienne. J'avais ce maillot au collège, il était rouge. Ensuite, Olympique Lyonnais de cette année aussi. Il est incroyable celui-là. Avec le short qui est juste ici. En plus, c'est des bonnes tailles grandes, ça fait plaisir. Franchement, il est incroyable. Super beau. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, celui-là, ça va, il passe en vrai. Celui-là, il est impeccable. Tac, tac. Manchester City, le nouveau maillot. Celui-là, il est vite fait en vrai. Et pourquoi ils ont fait un col V? Je sais pas du tout. C'est nul, col V. Tac, Ronaldo Prime, regardez-moi ça. Oh, c'est celui d'avant. Tac. Quand Ronaldo, il était grave et fort. Regardez derrière. Oh! Oh, celui-là, il est collector, ce maillot. C'est un banger. Oh, c'est un banger de ouf. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel achat vous allez faire pour la nouvelle saison. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner. Des grosses vidéos arrivent, Inch'Allah. Nous, on vous laisse là. Ciao.